Bonjour. Je vais paraître un peu blasée en ce début de vidéo. Je suis actuellement en train d'essayer de travailler sur une nouvelle collection. Ça fait depuis novembre 2022 que j'ai pas sorti de nouvelle collection. Et avant ça, je crois que la dernière collection que j'avais sortie, c'était en fin juin, je crois, 2021. Donc voilà, autant dire que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'habitude de sortir des nouvelles collections. Donc voilà, autant dire que j'ai l'habitude, là où avant j'en publie, enfin j'en sortais tous les mois et demi, on va dire, un mois sur deux parfois tous les mois je sortais une nouvelle collection. Là j'ai plus l'habitude d'en sortir, et même si j'ai continué de créer depuis mon congé maternité, depuis la naissance de mon fils, etc., puisque j'ai quand même sorti une nouvelle collection en novembre. Ouais, je crois début novembre. J'ai continué à créer par-ci par-là, j'ai continué à créer pour mes enveloppes mensuelles, pour mes abonnements que je propose sur ma boutique, etc. N'empêche que j'ai perdu l'habitude quand même de travailler sur une collection, quoi, qui du coup requiert beaucoup plus de création, de recherche, et qui est un travail qui demande beaucoup d'investissement et qui prend plus de temps que de créer juste une illustration tous les mois pour l'abonnement mensuel. Enfin bref, du coup ça fait longtemps que j'ai pas vraiment... que je me suis pas posée pour créer une collection, tu vois, et je me sens rouillée. Mais ça, c'est toujours un peu le cas quand je commence à travailler sur une nouvelle collection. Je trouve ça toujours difficile de se lancer, et il y a toujours une étape de recherche par laquelle il faut passer, qui est assez difficile, je trouve, à affronter. Et du coup, voilà, cette étape de recherche, c'est regarder, passer du temps sur Pinterest, à regarder de l'inspiration, à regarder des images qui pourraient nous plaire, nous donner des idées pour une collection. Et voilà, pas mal de temps aussi passé à essayer de dessiner des choses, des concepts, essayer de trouver des idées d'illustration, de stickers. Ça prend du temps. Ça prend du temps de se lancer. Parfois, ça marche assez rapidement. Et parfois ça prend du temps, et là depuis ce matin, enfin, j'ai commencé à travailler hier dessus, à travailler sur la partie recherche pour une nouvelle collection. J'ai commencé à me lancer hier, j'ai créé une nouvelle illustration que j'aime bien, mais c'est pas non plus l'illustration waouh, mind blowing ou je sais pas quoi, c'est juste une illustration assez simple, assez cosy, assez mignonne, etc. Mais c'est pas non plus un truc de ouf, enfin à mes yeux, enfin je sais pas comment dire, c'est pas genre... C'est un bon début, tu vois, et c'est une petite illustration qui pourrait être sympa comme carte postale, etc. Mais je me dis pas, waouh, ça c'est vraiment, ça me donne beaucoup d'inspiration pour la suite de la nouvelle collection, et j'ai envie de continuer dans ce sens-là, parce que c'est un peu un retour à ce que je faisais, genre en juin, cette illustration que j'ai faite hier, alors que, en gros, depuis que je suis maman, depuis le congé maternité, etc., j'ai développé un peu un nouveau style encore, et du coup, je trouve ça toujours difficile de... maintenir un style, enfin je sais pas, en fait comme si tu devais maintenir ton style alors que ton style il peut prendre diverses formes au fil du temps, et que du coup si tu reviens à un style que tu faisais un peu avant, c'est pas grave en fait, enfin c'est pas une régression ou quoi que ce soit, mais ouais, j'ai toujours du mal à garder de la consistance dans mon style, je sais pas trop ce que je raconte, je me sens un peu perdue, mais voilà, ça explique bien le ressenti que j'ai actuellement voilà, c'est compliqué de se lancer pour créer une nouvelle collection, pour créer quelque chose. Il y a toujours une étape de recherche par laquelle il faut passer, enfin, en tout cas souvent. Et là, je suis en plein dedans et c'est pas facile. Genre ce matin, là, j'ai dessiné un potentiel stickers, mais quand je le vois comme ça, le croquis, je suis en mode, ouais, bon, c'est simple, il manque... Enfin, faut que je rajoute des choses, quoi. Voilà, juste un chat qui fait dodo, qui fait sa sieste avec une petite pelote de laine à côté. Enfin, tu vois, j'aime bien le croquis en lui-même et tout, mais... il n'y a rien de folichon là-dedans. Et c'est vrai que moi j'aime bien personnifier un peu plus maintenant les animaux que je dessine. Je dessine presque que des animaux maintenant. Je suis presque devenue incapable de dessiner des personnages. C'est assez terrifiant d'ailleurs. Genre j'arrive plus à dessiner des personnages. Je suis vraiment dans le moment là de mon art, de mes créations, où je dessine vraiment que des animaux. Et des animaux personnifiés. Mais j'aime vraiment faire ça en fait. Et du coup, quand j'essaie de dessiner des personnages, je sais plus comment faire. Et j'en ai pas forcément envie non plus, donc on va voir où est-ce que ça va mener tout ça. Mais bref, voilà, je suis en plein travail de débroussaillage, de recherche pour cette future nouvelle collection. Et c'est pas facile, j'avoue que là je galère. Mais bon, on va voir où est-ce que ça va mener, ces recherches. J'ai aussi dessiné l'autre jour, commencé à dessiner un truc. Donc attendez, déjà, ça c'est l'illustration dont je vous parlais là il y a quelques minutes.
J'ai aussi dessiné ce petit animal l'autre jour, je sais pas trop encore ce que ça va donner, si je vais en faire quelque chose ou pas, mais j'aimais bien le début, ce que j'avais fait. Après il a un bonnet, j'ai aussi envie de dessiner des choses un peu plus printanières là, donc à voir, je sais pas trop. J'avais dessiné ça juste après l'illustration que j'ai créée pour l'enveloppe mensuelle de mars, que j'adore cette illustration, franchement je suis trop contente de ce que j'ai fait. Tu vois genre ça c'est mon nouveau style j'ai envie de dire, c'est vraiment ce style là que j'ai développé au fil du temps. En tout cas ces derniers mois, mais je trouve que la tête de le personnage que je viens de dessiner là, il ressemble un peu trop, enfin c'est un peu la même veine que cette illustration avec les personnages de profil qui marchent. Tu vois, genre c'est un peu dans le même registre, alors j'ai pas trop envie non plus de me répéter, mais on va voir où est-ce que tout ça me mène du coup. Là je suis un peu paumée quoi. Je suis déjà à bout, il est 10h25. Oh là là, quelle matinée compliquée, alors que ça aurait dû être tellement simple. Je crois sincèrement que j'ai jamais été aussi en colère contre mon chat. C'est terrible. Il est 10h25, je viens enfin de réussir à poser mon bébé pour sa sieste. Il s'est réveillé vers 8h. Je pense que j'ai commencé vers 9h, entre guillemets, l'endormissement, parce que je lui ai donné son biberon du matin vers 9h. Et ça arrête qu'il s'endorme en biberon. Là, c'était le cas, parce qu'en l'occurrence, il s'est réveillé cette nuit. Il est resté pas mal de temps éveillé. À ce moment, il dort la plupart du temps à nuit complète, ce qui est absolument incroyable pour nous de retrouver des nuits complètes. Et pour lui, ça lui permet vraiment de se reposer, de pouvoir dormir d'affilée pendant toute une nuit. Mais ça arrive encore de temps en temps évidemment qu'il y ait des réveils etc, et cette nuit c'était le cas, et du coup il est resté réveillé pas mal de temps cette nuit, et du coup ça a été une nuit un peu plus compliquée, et du coup il était fatigué assez rapidement ce matin, il s'est endormi au biberon, et à partir de là, enfin ça aurait dû être tellement simple en fait, parce que généralement la première sieste du matin, enfin la première sieste de la journée c'est la plus simple. Et non seulement c'est une sieste qui est simple, mais c'est aussi une sieste qui est assez fiable, c'est-à-dire qu'il va dormir au moins 40 minutes généralement le matin. Et c'est arrivé 2-3 fois qu'on ait des siestes de plus d'une heure et demie, 2 heures là, le matin. Donc c'est vraiment des moments où moi je peux avancer dans mon travail ou avoir du temps pour moi. C'est vraiment le moment de la journée qui est à peu près fiable et auquel je me raccroche énormément. Et ce qui s'est passé, c'est que Pauline n'a pas arrêté de faire des bêtises. Il s'endorme au biberon, elle a fait tomber plein de choses dans la chambre, elle le fait pas d'habitude mais là elle l'a fait. Donc bref, il s'est réveillé alors qu'il était endormi. Du coup après je l'ai bercé, machin, mis du truc mûche, il s'est endormi dans mes bras. Et la Pauline commence à faire quelque chose qu'elle fait très très souvent, c'est qu'elle commence à miauler dans tout l'appartement et qu'elle commence à me ramener tous ses jouets alors que je suis là en train d'endormir mon bébé et que je m'apprête à le poser parce que ça y est, j'ai enfin réussi à l'endormir, etc. Donc forcément à ce moment-là, lui, ça le réveille, les miaulements de Polly. Elle vient dans mes jambes, elle me mord les pieds, patati patata. Si je ferme la porte de la chambre, elle va gratter à la porte. Donc en fait, c'est même pas la peine de penser au fait de fermer la porte, parce qu'elle va gratter et elle est pas fatiguée, elle se fatigue pas, elle peut gratter
pendant des heures et des heures. Donc c'est pas une option. J'ai dû le poser parce que je me suis dit, bah, je vais mettre Polly dans la salle de bain le temps que je l'endors, quoi, parce que sinon je vais jamais réussir à le poser. Je recommence l'endormissement, mon bébé est pleinement réveillé. Il est là en train de me sourire, en train de rire, etc. Et je suis en mode, non, c'est l'heure de la sieste là, je sais très bien que t'es fatiguée, c'est juste que t'es content de me voir, etc. Mais t'es fatiguée, c'est pas le moment de jouer là. Parce que si je le sors de son lit pour jouer, là, ça va tenir 2 minutes et il va pas être bien, il va vouloir que je sois là tout le temps, etc. Donc voilà, il faut qu'il dorme quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais le laisser tranquillement dans son lit, pour qu'il soit au calme dans son lit, qu'il comprenne que voilà, là c'est l'heure de la sieste, etc. Ça marche bien généralement de faire ça. Pendant ce temps-là, je rouvre la porte de la salle de bain à Polly, pour que je puisse passer un moment avec elle, lui expliquer, même si c'est un chat, je suis pas sûre qu'elle comprenne. Mais voilà, pour essayer de lui dire, ok Polly, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées. Surtout si tu veux passer du temps avec moi, pourquoi tu fais ça? Parce que ça va prendre beaucoup plus de temps pour endormir le petit. Et je vais pas pouvoir passer de temps avec toi parce que je serai là à galérer en fait. Donc ça sert à rien en fait ce que tu fais. Donc bref, j'ai refait à Pauline. Pendant ce temps-là, mon bébé est gazouillé dans son lit, patate patata, ça dure voilà tant de temps. Je me dis, c'est bon, j'ai passé un moment avec Pauline, je vais pas la remettre dans la salle de bain, je vais pouvoir endormir mon bébé sans qu'elle vienne nous déranger. Ou alors, ce qu'elle aime bien faire généralement quand j'endors mon bébé, c'est qu'elle vient dans la chambre parce qu'elle supporte pas de ne pas être dans la même pièce que moi. Surtout quand j'endors mon bébé, il faut qu'elle soit là. Généralement, elle se pose sur le lit ou elle est là dans les parages. Je retente l'endormissement, ça fonctionne. J'arrive à l'endormir. Je le pose, Polly commence à miauler et à me rapporter tous ses jouets. Encore. Donc je me dis, ok, je vais fermer la porte juste le temps que je le pose, comme ça elle aura pas le temps de venir gratter, etc. Je ferme la porte, je le pose dans son lit. Elle gratte la porte. Autant vous dire que le bébé se réveille. Donc là, le level de patience est inexistant. Il n'est plus là, il n'y a plus de patience. Là, je suis juste tellement énervée. J'aime pas être énervée contre elle, en plus ça m'énerve. Mais là, franchement, elle abuse quoi. Donc bref, je repose le bébé qui était endormi, qui s'est encore réveillé, le pauvre. Je remets Polly dans la salle de bain. Et je me dis, ok, on reprend l'endormissement. J'espère que cette fois-ci, il va bien falloir s'endormir parce que c'est tellement compliqué, le pauvre, il doit pas comprendre en fait ce qui se passe. Et après moult bercements et chants, etc., je réussis à l'endormir et à le poser dans le lit. Je réussis même à fermer la porte de sa chambre. Et là, Polly est toujours dans la salle de bain parce que j'avais vraiment besoin de temps pour souffler. Et pour sortir là toute ma haine et mon énervement, il faut que j'aille lui ouvrir la porte du coup. Mais sérieusement, je vous jure, avoir un bébé tout en ayant un chat, c'est encore un autre challenge. Le nombre de fois où elle fait des bêtises alors qu'on est en train de l'endormir, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment, c'est une galère pas possible. Alors que ça aurait dû être tellement simple ce matin, j'avais vraiment besoin de décharger ça, je suis désolée. Mais s'il y a d'autres parents qui sont dans la même team que moi, avec un chat qui fait vraiment que des bêtises quand on essaie d'endormir le bébé. Voilà, avoir un chat et avoir un bébé, c'est génial parce que tu vois la relation se créer, etc. Et c'est trop cool comme type de relation entre un chat et un bébé. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle peut être chiante, Polly, dans ces moments-là. Et je crois vraiment que j'ai jamais été aussi énervée. Enfin bref, ça y est, là, j'ai enfin réussi à le poser, donc je vais essayer de profiter. Je vais l'ouvrir la porte à Polly, et puis bah, je vais essayer de travailler, je vais essayer d'avancer, je vais essayer de profiter de ce moment, parce que voilà, j'espère qu'il va bien dormir du coup, parce que comme on a fait plein d'endormissements, je sais pas s'il va bien dormir, enfin bref. Voilà, petite histoire du matin, c'était super fun. Thank you.
Je ne sais pas si vous savez, mais tous les mois, j'envoie des enveloppes mensuelles à des abonnés, puisque j'ai créé 2 abonnements sur ma boutique qui donnent accès à mon blog où je poste du contenu additionnel comme des podcasts, des timelapses de mes illustrations, des fonds d'écran, des créations à télécharger, etc. Et aussi un abonnement où je propose de recevoir tous les mois une enveloppe mensuelle avec des créations exclusives. Et du coup, tous les mois, je crée une illustration et un sticker, voilà, exclusif que je vais envoyer aux personnes qui sont abonnées à cet abonnement. Et du coup, j'adore l'enveloppe de ce mois-ci, je voulais vraiment vous la montrer. Donc, voici l'illustration que j'ai créée pour l'enveloppe de mars. Du coup, je vous l'ai déjà montrée un peu plus tôt dans le vlog, mais du coup, voilà comment elle est imprimée. C'est la première fois que je la vois imprimée, du coup, et je trouve qu'elle rend super bien, je suis trop contente. Allô ? Oui, vous êtes arrivés ? On a été interrompu par un colis très spécial, vous allez voir ça après. Et du coup, je voulais vous montrer le sticker que j'avais fait avec l'enveloppe de Mars, qui est en fait un des animaux de l'illustration. J'ai fait un sondage sur Instagram pour demander lequel des animaux je devais du coup prendre pour le sticker du mois de mars. Et du coup, parmi les 3 animaux, c'est l'oie qui a été sélectionnée par mes abonnés sur Instagram. C'était serré avec la grenouille, entre la grenouille et l'oie, mais finalement c'est l'oie qui a remporté les votes. Du coup voilà l'enveloppe de mars. Je suis vraiment très très contente de cette enveloppe. Donc voilà, si jamais vous avez envie de recevoir des créations tous les mois, vous pouvez vous abonner à l'abonnement, je vous mettrai en barre d'infos. Et je suis vraiment contente de faire ça. Enfin, vraiment, je m'investis beaucoup là-dedans et ça me plaît beaucoup d'envoyer des petites enveloppes de goodies tous les mois. Et voilà, du coup, je voulais vraiment remercier tous mes abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées à mes 2 abonnements du coup et qui me soutiennent tous les mois et qui participent à cette nouvelle partie de mon travail. J'aime vraiment
beaucoup investir dans mes abonnements et ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Donc merci vraiment pour votre soutien et pour votre fidélité et pour vos petits mots que je reçois tous les mois. Parce que je reçois des petits messages, des personnes qui m'expliquent ce qu'elles ont ressenti quand elles ont reçu leurs enveloppes, etc. Ça me fait trop plaisir. Enfin bref, sur ce, je me dis que je vais peut-être arrêter le vlog ce soir parce que là j'ai encore des choses à vous montrer. Et pas des moindres. J'ai l'impression que j'ai pas mal de contenu, donc voilà, ce sera peut-être un studio vlog assez court, mais bon, en soi il va être assez long, mais ce sera sur une période de temps courte, bref. Ouvrons ce colis. Je me suis acheté une nouvelle caméra depuis le temps que je voulais le faire. Ça fait peut-être un an et demi que j'ai pour projet d'investir dans une nouvelle caméra et je pensais pouvoir le faire il y a un an et demi et puis finalement je n'y suis pas parvenue et le temps a passé, etc. jusqu'à aujourd'hui où j'ai sauté le pas et ça a été compliqué de sauter le pas parce que j'ai vraiment du mal à dépenser de l'argent et à m'autoriser à faire surtout des grosses dépenses comme ça, mais là c'est pas une dépense juste pour une dépense, enfin genre c'est quelque chose de particulier, c'est pour mon travail, c'est un investissement et puis c'est aussi nécessaire pour ce que je veux faire maintenant et pour le futur de mon activité, etc. Donc voilà, mon copain m'a aidé à passer à l'acte parce que j'avais vraiment du mal à appuyer sur le bouton de passer la commande, tellement ça me faisait bizarre. Mais déjà maintenant, je pense que je peux dire que je suis contente d'avoir sauté le pas. Enfin bref, on va ouvrir ça. Je me rappelle encore de la fois où j'avais investi dans cette caméra que j'utilise actuellement, à quel point c'était énorme pour moi d'acheter cette caméra, et ce que ça représentait, et ce que ça m'a permis de faire ensuite par le futur. Je me rappelle vraiment, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos du vlog dans lequel j'ai acheté cette caméra. Parce que c'est vraiment une étape de ma chaîne et de mon parcours, je trouve. Donc aujourd'hui, c'est vraiment encore une nouvelle étape pour moi que d'avoir cette nouvelle caméra. Et en plus, cette nouvelle caméra, elle va me permettre de faire des lives sur Twitch. Une de mes envies pour le futur, que je peux pas vraiment encore faire pour l'instant tant que mon bébé n'est pas gardé, j'aimerais vraiment faire des lives sur Twitch. J'avais commencé à le faire cet été, mais je pouvais pas me filmer moi, du coup, comme j'avais pas de caméra pour le faire. Mais je dessinais sur ma chaîne Twitch, etc. Et j'ai arrêté, du coup, parce qu'ensuite, il y a eu le congé maternité, etc. Mais du coup, prochainement, donc à partir du moment où mon bébé sera gardé, j'aimerais vraiment développer ma chaîne Twitch et faire des lives, etc. Et du coup, cette caméra me permettra de le faire. Voilà, j'ai trop hâte. Enfin, ouais, je vais l'ouvrir. Je vais arrêter de parler et je vais l'ouvrir. Voilà le rendu de la caméra, en sachant que j'ai pas encore compris tous les réglages, il faut que je m'approprie un peu cette nouvelle caméra que je ne connais absolument pas. C'est un peu déstabilisant d'arriver sur une nouvelle caméra et de ne pas savoir comment la régler, etc. Et je pense que ça va me prendre quelques temps avant de vraiment maîtriser, donc peut-être qu'au début je serai pas... Je serais pas en train d'exploiter le full potentiel de cette caméra, mais déjà je trouve qu'on voit une différence et je suis vraiment trop contente du rendu, quoi, de l'image de cette caméra. Enfin, franchement, je suis vraiment trop contente, donc c'est super. En plus de ça, moi je suis vraiment habituée à l'interface de Canon et là c'est ma caméra. Cette caméra, c'est une caméra Sony, donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc je vais regarder des vidéos, je vais essayer de me renseigner un peu sur comment régler l'image, en fait, pour avoir vraiment un beau rendu. Du coup, moi je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, qu'il y a déjà beaucoup de contenu dans cette vidéo. Mais vous aurez tout le temps de découvrir cette caméra et les images qu'elle fait dans mes prochaines vidéos, du coup. Enfin bref, voilà, j'espère que ce petit studio vlog, un peu retour des studio vlogs tranquillou pépère, vous a plu, vous avez passé un bon moment et je suis trop contente.
d'avoir un bon rythme de vidéos. En ce moment, j'en fais plein. Maintenant, j'espère pouvoir faire le montage aussi rapidement. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Donc, je suis trop contente et vraiment épanouie en ce moment. Sur ce, je pense fort à vous. Je vous remercie pour tout votre soutien, pour toutes vos commandes. Et je vous embrasse. À la prochaine. Mouah.